conseil et c'était un bon moyen pour porter la voix des jeunes aux politiques. Et donc je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose et de porter des projets qui étaient intéressants et surtout de porter la voix des jeunes qui ne l'avaient pas habituellement, des quartiers ou même des jeunes qui font des projets vraiment vers les politiques, quoi. Et donc j'ai décidé de poser ma candidature. C'est quand même un engagement. Il y a plusieurs commissions qui travaillent au sein du Conseil de la jeunesse avec plusieurs thèmes et c'est vrai que quand on est engagé et qu'il y a plein de choses qui nous intéressent, on a envie d'être dans toutes les commissions. Moi, je suis impliqué dans la commission culture et sport. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur. Il y a la commission emploi aussi, où ça, j'étais déjà depuis l'ancienne Assemblée générale, parce que moi, je reste convaincu que c'est que la problématique de l'emploi des jeunes est l'une des problématiques principales au jour d'aujourd'hui. On peut pas parler de la jeunesse sans parler de l'emploi, parce que l'emploi est un véritable vecteur d'intégration sociale. Et pour un jeune qui soit terminé ses études ou bien pour des raisons X ou Y n'a pas fait d'études, mais en tout cas à un moment donné entre sur le marché de l'emploi, il faut qu'il puisse pouvoir trouver un boulot. Et donc je pense que c'est vraiment une thématique centrale. Alors moi je suis dans la commission sport et santé et aussi dans les groupes de travail sur la place des jeunes dans les médias. Par rapport en fait à la commission sport et santé, j'y suis parce que donc moi je suis chez l'Attitude Jeune et au niveau de l'Attitude Jeune on fait beaucoup de projets sur le bien-être des jeunes, le sport, la santé et on trouve que c'est vraiment une thématique très importante. Et ici par rapport au plan d'action par exemple, on a proposé de travailler sur l'alimentation saine, de travailler sur un examen médical plus approfondi pour les jeunes qui font du sport. On estime que vraiment, le sport, ça fait partie aussi du quotidien des jeunes et qu'il faut vraiment le promouvoir aussi parce que ça fait partie du bien-être. Et donc, maintenant pour les projets médias, effectivement, ça faisait partie de mes propositions quand je me suis présentée. Effectivement, on veut travailler au niveau du conseil pour redonner de la place aux jeunes dans les médias, mais pas n'importe quelle place. Donc c'est vraiment de redonner une image positive en leur redonnant la parole. Et j'irais vraiment dans le même sens, dans la mesure où je pense qu'à un moment donné, une structure comme le Conseil de la jeunesse se doit vraiment d'interférer dans ce genre de débat. Parce que si sur ces questions-là, une structure comme le Conseil de la jeunesse ne se prononce pas, je ne vois pas qui d'autre pourrait le faire.